Les Actuvores, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. C'est vrai que vous avez obtenu votre premier trophée à 20 ans. En avril 2009, vous êtes devenu champion de France de kickboxing junior. Vos parents d'ailleurs ne souhaitaient pas que vous combattiez avant votre majorité, c'est vrai ça? Ouais, exactement. Ils étaient plutôt réticents. Et à l'époque, le deal c'était si tu veux boxer, il faut que tu poursuives tes études. Et c'est comme ça que j'ai pu poursuivre mes études et boxer en fait après le bac. Quoi. Et vous avez compris cette décision au départ, des parents, bien sûr. Bah ouais, parce que ils ont peur forcément et pour eux c'était pas dans leur culture déjà le sport et encore moins un sport de combat, donc il fallait vraiment que je fasse quelque chose à côté parce que c'est pas un métier pour eux. En plus ça a pas la valeur que ça a dans d'autres pays vu qu'à la limite il peut y avoir des parents qui se battent avec des enfants qui veulent devenir footballeurs ou là au niveau du salaire je pense que tu peux pas. Là vu que c'est un peu moins reconnu en France. Peut-être que il comprend mieux les parents. Genre. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que mes parents, même dans le football, je sais pas s'ils auraient poussé. Ils étaient plus sur de l'avocat ou sur la médecine, tout ça. La médecine, voilà, comme ça. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi cette crainte des parents quand on commence jeune. On se dit, va-t-il percer ? Vous, en l'occurrence, vous avez percé, mais c'est vrai que c'est parfois pas le cas de tout le monde. Et c'est très inquiétant. Crainte que vous comprenez, Je comprends très bien parce que c'est inquiétant pour un parent. On se dit s'il s'enferme entre guillemets dans ce sport, après il aura pas de débouchés si ça marche pas, alors que quelqu'un qui a un parcours académique et on peut pas dire qu'il va s'enfermer, on va dire il va avoir son diplôme et s'il a pas le job qu'il veut dans tel ou tel domaine, il pourra peut-être bifurquer dans un autre. Donc c'était ça leur crainte.